Bon, les refs, aujourd'hui on va dormir là, KFC. Et d'ailleurs, regardez les gars ce qu'il y a en face de nous. Léon. Bon, c'est un peu notre zone ici. Ouais, genre. On avait aussi dormi ici. On dirait un peu des SDF et on se balade dans tous les restaurants ici, quoi. Et l'hôtel de ce soir, c'est ici les refs. Je veux déjà aller courir dedans là. Alors par contre, on a été voir, il y a beaucoup plus d'espace. Oui, mais c'est beaucoup plus visible. Oui. À tout moment là derrière nous, tout le monde nous regarde avec la caméra. J'ai peur qu'on nous balance. En fait, on n'est pas discret. Genre, c'est quoi ça là-haut là? Le truc qui brille là. Les gars, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je sens que vraiment ça va se finir dans genre une heure. En vrai, j'ai confiance. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. Bon, allez, c'est parti. C'est quoi ça? Il a couché, il a couché. Bon les gars, on a les commandes et le rituel, on va les manger KFC dans les jeux KFC pour après dormir. Shifumi pour savoir qui part en premier. Ah, juste. Bah, le premier il est trop bien. Je stresse. Shifumi. Yes. J'y vais, tu restes là, tu vas pas tout de suite. Tu vois, je t'ai engueulé comme un gamin. Eh, hey, c'est quoi le jeu? Ah, oh, il est trop stylé les gars. Oh, mais il est trop bien les gars, regardez le spot qu'on a. On a archi bien. En plus, j'ai la meilleure place. Si tu es la deuxième meilleure place, mec, il est là. Oh ouais, putain, c'est bon. Et ça qu'on dit dans la vidéo McDo qu'on avait fait du fake les gars. Bah là au moins, vous allez voir vraiment, on est trop visible, vous allez voir que c'est en pleine nuit les gars là. Regardez, il y a un carreau juste là, le mec il fait le tour, il me voit là au KLM. C'est quoi pour l'instant, de toute façon, on est pas dans le délit. Ça ferme à 23h. Donc pour l'instant, on peut manger tranquillement. Comme les youtubeurs font tous, montent leur téléphone pour montrer l'heure. 22h42. Monte ton téléphone aussi pour montrer qu'on n'a pas changé l'heure. 22h42. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit encore les clients du KFC. Oui. Dans les commentaires, dites tout de suite est-ce qu'on va réussir ou pas. Mais moi j'y crois, mec, hein. Et je suis sûr qu'on va réussir. Parce qu'en fait, c'est pas si bien surveillé que ça. En plus, ils vont même pas le fermer, c'est sûr. Non, c'est trop grand pour que ça ferme. Ah ouais, c'est vraiment trop grand. Mais le truc, c'est que vous étiez là tout à l'heure, je suis sorti dehors, on entend de fou. Ok, faut pas qu'on parle fort. Bon, on va manger tranquillement, les gars. Le KFC? Ouais. Vous savez pas faire caca beaucoup? Non, ça va, on va. Ah, sauf si t'as spicy. Non, ça va. Okay. On voit les gens passer en trottinette électrique derrière. Ne bougez pas, ne touchez pas. Je sens qu'on va passer une super bonne nuit. Allez, si les gars, si jamais on voit quelqu'un, eh bah, faut essayer de se mettre genre. Même moi, là, c'est transparent, mon toboggan. Le mieux, c'est qu'on se mette par terre. Bah, non, t'as dit, c'est d'où qu'on nous voit? De là? Bah, faut qu'on se mette tous là. Après, si jamais on voit quelqu'un qui sort, les gars, on se met tous là. Ouais, mes frères. Tu manges où? Là. Pourquoi? C'est mieux. Oh, mais là, je crois que t'es plus visible. Plus tu te colles à la vitre, plus t'es visible, mec. Il y a quelqu'un qui me regarde. Non, c'est vrai ou pas? Ma mère, c'est vrai. C'est vrai ou pas? La vie de ma mère, elle avait sa tête comme ça. Raph, t'es trop près du truc. Je te jure, on voit de ouf. Je te jure, quand t'étais trop près tout à l'heure, on te voyait de ouf. Ah ouais, doucement. C'est un enfant. Ah, c'est un enfant? Elle doit avoir 15 ans. C'est le setup pour manger le plus bancal au monde. La sauce sur les genoux. La boisson entre les deux jambes et les tenders sous le coude. Oh, j'ai failli me renverser du Pepsi. Est-ce que tu peux me faire une petite... Non mais les gars, on dirait que vous êtes trop serein là. Moi, je suis serein de fou. Franchement, je me dis qu'on peut pas faire pire après la vidéo McDo, frère. Oui, non mais en fait là, on est tellement à couvert. Maintenant, j'ai une veste, alors. Les gars, il est 23h, ça vient de fermer. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que plus personne, aucun personnel peut venir sur la terrasse. Donc là, je pense que c'est bon. Pour l'instant, c'est validé. Je tiens à préciser que ne faites pas ça non plus. N'allez pas dormir dans les KFC ou dans les McDo, n'importe quoi. Et KFC, si jamais vous voyez cette vidéo, sponsorisez-nous. On n'est pas là pour faire de mal. Juste en dehors, on dégrade rien du tout. On est juste là pour s'amuser, passer un bon moment entre amis. Les gars, faut vraiment se mettre à ras le sol au cas où s'ils arrivent. Mais je te jure, je t'ai vu arriver. Genre, je sais pas si elle a vérifié si la porte était fermée ou si juste elle voulait sortir et là, aller partir chercher un autre truc. Imagine si on prend de chercher la police. Non, je pense pas en vrai. C'est hier. Oui. Non, mais ça se fait pas ce que tu fais. Peut-être là, je vous explique. J'ai très envie de pisser. Et c'est bâtard. Et il m'empêche de faire. Le truc, c'est que là, j'ai un gobelet pour faire pipi. Sauf que je dois me mettre debout pour faire pipi. Je dois réussir. Là, c'est 100% sûr. En fait, on a été trop en mode c'est bon. En fait, ce qu'on n'avait pas cramé, c'est qu'en face, il y a les portes qui sont fermées. Et là, ici, en fait, il y a les gens qui vident les poubelles. Et en fait, d'un coup, on rigole. Et là, je regarde en face de moi, il y a un mec hyper bizarre. Et je vois, il sort son téléphone comme si il allait nous prendre en photo. Et les gars, je crois que là, on est cerné. Là, on a carrément pris une deuxième carte pour recommencer autre chose. Pour au cas où, s'il nous demande de tout supprimer. Parce que s'il y a les flics, oh, je vois des lumières. Il y a une lumière qui s'est éteinte, ça commence à s'éteindre de plus en plus les lumières là. Je crois qu'ils vont pas tarder à se barrer. Bon les gars, j'ai un jeu à vous proposer. On va faire un jeu, tous les trois, et celui qui perd, il va devoir descendre le toboggan rouge. Juste là. Putain, il a l'air incroyable en plus. On fait le jeu du ni oui ni non. À partir de maintenant, le premier qui se dit oui ou non va devoir faire le toboggan. Ça a commencé dans 3, 2, 1, pi. Ça va les gars? Oui, mais je comprends pas. T'es parti tourner avec Artista Ragnon, et après t'es parti voir Inox. Ah oui, mais dire.
Bah normal, c'est ce que je t'avais dit. Okay. Ah non, je t'avais pas prévenu. Je vous envoie. Bah non, je t'avais pas prévenu. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mec, te fais pas cramer. Hein. Vas-y. Wesh, il est sur vous du coup. Il est sur vous. Les gars, regardez, faut que tout le monde a commencé à partir, les gars. Pour ceux qui nous disent, ouais, au McDo il faisait pas nuit. Là, il fait bien nuit, les gars. Je suis descendu. T'es où? Mais t'es où? Regarde où je suis, frère. Tout le monde me voit, mais vraiment. Bah, non, bah vas-y, bah dégage le truc et ressort. Mais t'es malade. Attends, j'ai une petite surprise pour toi. Oh, oh putain, les gars. C'est pour nous. Vas-y, Rav, vite, dépêche-toi. Oh là. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais les rejoindre. Mais t'es pas censé y aller. Si. Mais là, on part au coup, les gars. C'est prêt pour un petit tour de magie. Vas-y, dépêche-toi. Oh là. Putain, merde, j'ai fait grave du bruit. C'était incroyable. J'ai envie de le faire aussi. J'ai trop peur. Vas-y, j'y vais, putain. Non, je suis une salope pour les trucs comme ça. Ah oh, ouais, putain, il fait... Y'a personne! Non, ouais. Non, fais le striptease. Attends, vas-y, tu commences. Vas-y. Comment? Ah, c'est parti, les gars, compétition de pole dance. Yeah, you. Ok. Oh là. Ok, c'est à moi, vas-y. Allez, hop, c'est bon, vas-y, tiens, cadre, t'es nul. Il y a de la prestance. Vas-y. Catastrophe. Il y a juste le dos par terre. Là. Bon, ils ont bien rigolé quand je faisais pipi dans le gobelet, mais là c'est à leur tour. Est-ce que pendant que tu fais pipi, tu peux nous teaser une de tes prochaines vidéos? En ce moment, c'est un peu genre réflexion, réfléchir un peu. De ton compte TikTok que t'es en train de laisser à l'abandon. Ah ouais, TikTok, un peu compliqué en ce moment, les gars, parce que je préfère créer du contenu sur YouTube largement, mais TikTok, je vais relancer un peu des trucs quand j'aurai plus d'inspiration. Bon, c'est parti, on va se mettre en mode dodo. Là, il est 1h. Il est quelle heure? Il est 1h là? Il est 1h06. Ah bah voilà, 1h. Et du coup, on a ramené un petit sac de couchage. Oh non, les gars. Oh, j'ai eu peur. Les gars, quand on vous dit qu'on veut pas du fake, c'est réel. Il a secoué la porte comme si il voulait en découdre. Mais si, c'est pour nous, c'est sûr. Genre, bon, les gars, ça va vous dégager. Il va éteindre toutes les lumières. Oh, il est en train de marcher, il est solo, mec. Il arrive dehors. Ah non. Oh. Allez, il est là. Il y a une alarme qui s'est déclenchée. C'est quoi ça? Couchez-vous. Oh non. Bougez pas. On est mort. Pour moi, c'était pour nous. Ah ouais? Bah ouais, vrai. Ah non, impossible, comment ils nous auraient vu? Putain, je me suis dit, ça y est, c'était nous, on était dans la merde. Pourquoi on s'inflige autant de stress? Pour le contenu. T'as fait tomber. Dehors? Mais je crois qu'il est dehors du coup. Mec, attends, tu peux pas sortir maintenant. Non, attends, mais gros, mais t'as un malade. J'ai pas accès en bas surtout. Mais non. Mais comment t'as accès là? Ça fait tout beaucoup. Oh! Attends, viens, attends qu'il se barre, gros. Putain. T'inquiète, on va. Mais mec, on va voir. T'inquiète pas. Putain, ça tourne mal. Mais les fraîches, non. C'est qui? Je sais pas. C'est pas mal, les fraîches, non. Mais gros, il va faire tomber son téléphone là, sauf qu'on peut pas y aller. Y'a pas d'accès. Tu penses, je lui envoie quoi en premier message? Mais ça c'est dehors mec du coup. Là il est dehors. Bah ouais. Et oui. Oh putain, il s'allume. L'autre il est sur Tinder le mec. Non mais gros, tu peux pas te... Vas-y Raph, tu l'as récupéré, j'en suis sûr. Ça y est les gars, il l'a récupéré. Putain mais t'es vraiment un gogol. Bon les gars, c'est parti, sac de couchage. Mais moi j'ai toute la lumière, des lampadaires sur ma gueule en fait. Moi ça me dérange pas la lumière. Oh. On laisse rien traîner les gars, je vous le dis hein. Voilà, c'est bien. Oh ah. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et la prochaine fois, dites-nous, on dort où? Allez, bisous, à la prochaine. Dans un avion, ce serait bien.